c'est clair, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pas pour une vidéo où je vais jouer à un jeu vidéo, non c'est plutôt une vidéo update en fait qui fait suite à celle que j'avais fait il y a quelques mois de ça où je pensais vraiment arrêter YouTube. Donc on va commencer sans plus tarder les potes. Vidéo très importante puisque je trouve qu'il est important en fait de faire une mise à jour, ça fait beaucoup très important je sais, de faire une mise à jour en fait de la chaîne, savoir ce qui va se passer par la suite, les changements qui vont être apportés et je vais avoir besoin de vous justement pour ce qui va suivre. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs mois de ça j'ai fait une vidéo en disant que je voulais vraiment arrêter YouTube, je commençais à en avoir marre, pas de la communauté mais en fait de ce que devenait YouTube, c'était plus que, voilà ça fait 5 ans que je suis dessus et c'était plus du tout, j'arrivais plus à me reconnaître, j'arrivais plus à reconnaître en fait ce que je faisais et j'arrivais plus à reconnaître tout ce qu'il y avait sur YouTube tout simplement, ça devient un peu un gros bac à sable où tout le monde jette tout ce qu'il veut à l'intérieur, donc j'ai fait une grosse pause où je me suis focus vraiment sur Twitch, d'ailleurs ce soir encore je suis en live, c'est du lundi au samedi de toute façon à partir de 21 h, sauf si j'ai quelque chose à faire de toute façon comme d'habitude vous êtes informés sur les réseaux sociaux, mais c'est du lundi au samedi sur Twitch, vous pouvez me retrouver à l'heure actuelle ce soir à partir de 21 h sur The Division, d'ailleurs on attaque l'ending de la trame principale, ça va être assez cool avec les copains, donc n'hésitez pas à aller checker ça, tout est listé dans la barre d'infos. Et je me suis vraiment focus à Twitch et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à aller dessus parce que voilà je pouvais genre faire des lives pendant 3 h, 7 h, 8 h tranquillement à jouer à des jeux genre Anthem, The Division, Resident Evil, à jouer vraiment à des jeux qui me plaisent mais sans limite de temps en fait, et interagir avec vous, c'est genre le truc le plus ouf, pouvoir interagir avec vous en direct. Je trouvais ça tellement incroyable, genre quand on fait des vidéos, bien évidemment, on a cette petite excitation de la poster et d'attendre vos commentaires, mais là de jouer en fait en direct à vos côtés, de pouvoir savoir comment vous allez en temps réel, savoir, admettons là je suis bloquée sur tel passage, mais en commentaire en fait, bah la vidéo aura déjà été montée et postée, donc c'est après qu'on va me dire bah Kiki pour la prochaine fois fais ça, alors que là quand je viens être coincée dans un jeu vidéo genre Resident Evil, je vais dire n'importe quoi, et ben genre vous allez me dire en temps réel oh, mais Kiki va pas par là, du coup je vais voir tout de suite le message et je vais enchaîner, je vais pas couper le stream tout de suite quoi, en fait c'est l'interaction qui me plaît sur Twitch. Et je m'y sens hyper bien dessus. Je me sens super bien sur Twitch, franchement, et je vais continuer mon aventure dessus. Du coup, ce qui vient à en revenir sur YouTube... Après un gros temps de pause, j'ai décidé de revenir dessus, mais plus de la même façon, voilà, plus comme avant. Je veux plus me fournir de rythme aussi important qu'avant, c'est-à-dire qu'avant je faisais des vidéos du lundi au vendredi, mais je veux plus que ça soit ça en fait. Je veux plus faire ça parce que je me stressais et inconsciemment en fait, finalement t'as pas de jour pour toi. Le samedi t'es là et tu fais ah bah oui mais il faut que je sorte une vidéo pour lundi. Ah bah oui mais donc ça veut dire qu'il faut que je tourne aujourd'hui et puis demain je fais le montage et puis ça voilà, donc en fait t'as jamais de temps, en fait t'es en perpétuel stress et le fait de toujours te dire il faut que je fasse une vidéo et tu te renouvelles et bah du coup le fait de faire ça, bah en fait ça te bouffe tout. Ça te bouffe tout le plaisir que t'as à faire des vidéos parce qu'en fait tu rentres dans une mécanique, tu deviens une vraie machine en fait à vidéo et c'est pas ce que je veux, et donc là je reviens petit à petit et voilà ce que je voulais vous poser comme question surtout c'est ce que vous voulez voir sur la chaîne principale. Alors je sais qu'il y a énormément de communautés différentes sur ma chaîne puisque je ne suis pas spécialisée sur un type de jeu bien particulier, moi à partir du moment où je m'amuse et que le format est condensé c'est le principal. Du coup la question que j'ai à vous poser c'est qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne principale? Est-ce que vous préférez que la chaîne se tourne vers une catégorie, genre je dis n'importe quoi, catégorie vraiment jeu d'horreur, full jeu d'horreur, ça devient une chaîne que de jeux d'horreur, ou plutôt continuer à faire de toute façon les vidéos que je fais actuellement, des petits formats, de toute façon ça restera petit format dans tous les cas, mais des petits formats de jeux ou fun de toute façon, donc un mélange jeu d'horreur, jeu de rôle, voilà, il peut y avoir aussi peut-être des jeux genre The Division mais condenser les meilleurs moments de The Division, voilà, tout simplement faire ça sur la chaîne principale. Dites-moi aussi les jeux que vous voulez voir en fait sur la chaîne principale, parce que c'est vrai que il y a énormément de gens qui m'ont demandé Kiki, est-ce que tu peux faire du Dead by Daylight? Est-ce que tu peux faire du The Eyes? Est-ce que tu peux faire ceci, cela? Alors ça me dérange pas du tout, mais c'est vrai qu'en fait, il y a tellement de styles différents que t'as envie de faire plaisir à tout le monde. Alors je me fais plaisir à moi avant tout, hein, parce que ce sont des jeux qui me plaisent, mais du coup je suis un peu en mode, est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que ça va leur plaire? Donc c'est pour ça que je vous demande via cette vidéo aujourd'hui qui sort, qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne principale? Quel jeu vous aimeriez voir par la suite dans le futur? Ça, voilà, et le format un petit peu de vidéo. Donc quand j'avais voulu arrêter YouTube, quand je me suis vraiment penchée sur la question, vous avez été nombreux à me dire, personnellement... enfin fait des rediffusions. Donc les rediffusions, personnellement, il y en aura, mais des condensés et coupés comme je fais à l'heure actuelle, c'est ce que je fais hein, sur les vidéos qui sortent, genre Pacify, Resident Evil, ce sont des vidéos en fait tirées de live et qui sont juste condensées sur les meilleurs moments. Mais voilà, je voulais vraiment savoir ce que vous aimeriez voir sur la chaîne principale comme jeu. Je me répète peut-être un petit peu, mais c'est pas facile de parler. J'ai tellement perdu l'habitude en fait, j'ai perdu l'habitude tout simplement de vous parler comme ça face caméra. Je suis plus du tout habituée. Moi, j'étais maintenant habituée à stream sur Twitch, donc tout est très spontané, tout est en direct. Et là, c'est spontané aussi, mais je veux dire, c'est très difficile de pas interagir. Il y a pas d'interaction, il y a rien qui se fait quoi. Ça va se faire après dans les commentaires, donc c'est un petit peu perdu. Donc voilà les amis, je vais pas trop tourner autour du pot, donc c'était juste pour vous dire que vous posez la question tout simplement, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne principale, si vous voulez voir plus d'horreur, plus de petits jeux drôles, même proposer des jeux. Hein. À l'heure actuelle, je sais que sur Twitch, je stream beaucoup, j'ai repris Dead by Daylight, c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement, que j'avais lâché fut un temps, voire même il y a... Ouais, je l'ai lâché pendant longtemps. Et là, je reprends, donc franchement, je réapprends tout. Je suis en train de réapprendre à y rejouer et tout, mais franchement, je prends un pied de ouf à jouer dessus. Avec mes potes, ça m'amuse vraiment. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont le jeu, en fait, vous le savez, du côté de Twitch du moins, tous ceux qui ont le jeu, je vous propose souvent de participer quand vous avez le jeu. Si vous en avez la possibilité, je vous dis, ah, bah, n'hésitez pas, venez, on se move sur le Discord. On est tant du coup dans la game et on part tous ensemble et c'est rigolo, ça nous permet d'échanger, de passer un bon moment tous ensemble. Oh d'ailleurs les potes, rien à voir, mais regardez ce que j'ai fait. Ça n'a rien à voir, cette information, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que c'est que cette merde. Regardez ce que j'ai fait, c'est un œuf. Alors jusque-là, bien évidemment, on dirait pas que c'est un coq, mais c'est un œuf en polystyrène que j'ai acheté, vous savez, dans les magasins genre Cultura, Fnac, et le bordel coûte genre 3 € en polystyrène. J'ai acheté, là il y a 1000 punaises, hein, ce que vous voyez là. Alors le résultat est dégueulasse, j'ai l'impression que vous voyez un résultat pas très beau en vidéo, ça fait plein de points de partout, c'est très bizarre, mais je vous mettrai des photos maintenant, et là il y en a 1000, et je suis dégoûtée parce que j'en avais que 1000 punaises, j'avais acheté un pack de 1000, et c'est pas assez. C'est pas assez, puis après pour le coup je vais le bomber en noir puis rouge sur le dessus, je pense que ça peut être stylé pour faire un œuf de dragon et aussi faire un œuf genre Spyro et d'autres œufs comme ça, c'est sympa. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez voir, bah, c'est pour ça en fait que j'en viens à ça, si vous aimeriez voir genre des DIY, alors en rapport avec des jeux vidéo bien évidemment, hein, mais genre de temps en temps, hein, genre une fois tous les 3 mois quoi, une petite vidéo courte où genre on papote à la limite, on papote ou sinon en stream et on s'amuse à faire ce type de choses. Ça peut être assez rigolo, pourquoi pas faire des petits tutos, des trucs comme ça. Dites-moi si ça peut vous brancher, peut-être pas du tout, hein, mais au moins comme ça, ça le mérite d'être précisé. Donc les amis, je vais m'arrêter là. Pour le coup, je pense que mon message a été assez clair. Pardonnez-moi d'avance si voilà, j'étais un petit peu confuse dans certaines de mes paroles ou quoi, si j'étais un petit peu à l'ouest. Je suis un petit peu malade, mais c'est léger. Et aussi en parallèle, je suis plus du tout habituée à vous parler comme ça. Ça me fait vraiment bizarre. Je suis plus du tout habituée. Quand je joue à un jeu vidéo, ça me dérange pas, mais de vous parler comme ça, je sais pas. J'ai complètement perdu l'habitude, mais ça va revenir avec le temps. Donc en attendant, je vous remercie infiniment d'être là, d'être présent, tous ceux qui sont de retour à mes côtés et qui n'ont rien lâché, je vous remercie infiniment. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, c'est là où je vous poste tout le temps masse d'informations, c'est très important. Twitch, c'est là où vous me retrouvez du lundi au samedi à partir de 21 h en live dessus. Je vous fais à tous de très très gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à demain pour du House Flipper, à partir de 16 h, peut-être que les horaires vont changer, je ne sais pas encore. Ciao tout le monde.